The study that we've been doing so far. Alors l'étude que nous sommes en train de faire jusqu'ici. We've created a line from 1798, the time of the end. Nous avons donc créé une ligne de 1798, temps de la fin. That has 1840, August 11th. Le 11 août 1840. April the 19th, 1844. Le 19 avril 1844. And October the 22nd. Et le 22 octobre 1844. We've marked 9/11. Nous avons indiqué le 11 septembre. Sunday law. La loi du dimanche. Loud cry. Le grand cri. Close of probation. FTG. And the second advent. Et le second retour. This is the time of the end. Temps de la fin, 1798. We've seen that this is the first angel's message. Nous avons vu qu'il s'agit là du premier ange. The second angel's message. Ensuite, en avril, 19 avril, the third angel's message. Le deuxième ange et 22 octobre, le troisième. What we then discussed. Ce que nous avons discuté ensuite. Was this structure. C'était cette structure. That we can now use. Que nous pouvons utiliser maintenant. To interrogate. Our own history, the history at the end of the world. Pour interroger notre propre histoire, celle de la fin du monde. Which I'm calling the 144,000. Ce que j'appelle l'histoire des 144,000. And depending upon the history that you're dealing with, this could either be the Millerites. Et tout dépend de l'histoire avec laquelle vous traitez, que ce soit celle des Millerites. But also the history of the cross. Mais aussi l'histoire de la croix. When I say the cross, I mean the line of Jesus. Quand je dis la croix, je veux dire la ligne de Jésus. And we looked at two subjects. Nous avons regardé à deux sujets. The second angel. Le deuxième ange. And rain. Et la pluie. And what we saw that we could do. Ce que nous avons vu que nous pouvions faire. Is that we can tie these two histories together. C'est que on peut relier ensemble ces deux histoires. And this would be the beginning and the end. Et là, ça serait donc le commencement et l'autre histoire, la fin. But also within this history, mais également à l'intérieur de cette histoire, there would also be a beginning and the end. Il y aura également un commencement et une fin. And therefore we could do the same here. Et par conséquent, pour la ligne des 144,000, nous pouvons faire la même chose, avoir un commencement et une fin. Because based upon the testimony of two, parce que basé sur le témoignage de deux, so this is the first testimony. Voici le premier témoignage. See? Yeah. And this would be your second testimony. Et ça serait là votre deuxième témoignage. That you can then project. Vous pouvez projeter donc. And come to your answer. Et venir à votre réponse. R. EP. EP. All of this information is given to you. Toutes ces informations vous sont données. You can see we have six waymarks. Nous pouvons voir qu'on a six balises. 2, 4, 6. 2, 4 et 6. Now, 5 of them are going to be given to us. Donc 5 de ces balises vous sont données. And it's this one that we need to search for. Et c'est cette balise qu'il nous faut rechercher. And in the lines that we've been discussing, et dans la ligne que nous avons discuté jusqu'à présent, whether it's the former and the latter rain, que ce soit la première pluie ou la dernière pluie, or the work of the second angel, ou bien l'œuvre du deuxième ange, we've seen that this waymark here, nous avons vu que cette balise là, we're identifying as being 9/11. Nous l'avons identifié comme étant le 11 septembre. So that's just a recap of what we've done. C'est juste un récap de ce que nous avons fait. Hopefully you've had an opportunity to read from the Great Controversy. Et j'espère que vous avez pu avoir l'occasion de lire la tragédie des siècles. But also from
Early Writings, page 277. Mais aussi de premiers écrits, la page 277. So this was great controversy. Alors c'est la TS. TS. And in the English, it's page 603. Donc en anglais, c'est la page 603. En français, je vais vous dire ça. Et en premiers écrits. Early Writings. PE. Page 277. It's the same in French. That's the same in the French. Donc, TS 655. This chapter is called The Loud Cry, and in great controversy, it's called The Final Warning. Donc, ces chapitres sont appelés, le dernier avertissement de la grande controverse et le grand cri dans premiers écrits. You really need to read those chapters. Et il vous faut vraiment lire ces chapitres. This one would only take you 5 minutes. It's only a few paragraphs. Celui de premiers écrits vous demande que 5 minutes. C'est quelques paragraphes. And the reason you need to do that. La raison pour laquelle il vous faire cela. Is because both chapters will identify. Parce que les deux chapitres identifieront. That the angel of Revelation 18. Que l'ange d'Apocalypse 18. Verses 1 to 3 comes down here at the Sunday law. L'ange Apocalypse 18, 1 à 3 descend à la loi du dimanche. And it's very easy to see from early writings. Et il est très facile à voir à partir de premiers écrits. That the second voice. Que la deuxième voix. We read that yesterday. Nous l'avons lu hier. I put verse 4, you could do verse 5. Je mets verset 4, mais on peut mettre aussi le 5. Is an event that happens after the Sunday law. Est un événement qui se passe après la loi du which dimanche. We mark as the loud cry. Que nous indiquons comme étant le grand cri. So all of that is this omega here. If you're thinking about the second angel. Et tout cela représente l'oméga si on le lit avec le deuxième ange. Or you can do the same thing with the latter rain. Ou vous pouvez faire la même chose avec la pluie de l'arrière saison. So once we begin to create this structure, lorsque vous commencez à créer cette structure, we begin to identify the alpha here. Et que vous commencez à identifier l'alpha. This is why we identify Revelation 18. C'est la raison pour laquelle nous avons identifié Apocalypse 18 in this history, dans cette histoire occurring at 9/11. Qui s'est passée donc au 11 septembre. Can you repeat, please? This way, Mark here. Cette balise là à la fin is going to be created va être créée based upon these two testimonies. Basé sur ces deux témoignages. Then what we're required to do. Et ce que il nous est demandé de faire. Ellen White talks about searching for hidden treasure. Ellen White nous demande de chercher les trésors cachés. And the hidden treasure that we need to search for. Et les trésors cachés donc qu'il nous faut chercher. Is not this way mark or this one or these or this one. It's not those five way marks. Ce ne sont pas ces cinq balises. This surface treasure they're given to us. Parce qu'il y a des trésors de surface qui nous ont été donnés. We need to search for this one. Il nous faut chercher pour la première dans notre génération. And what this movement has understood. Et ce qu'a compris ce mouvement. For a long time depuis now. Depuis longtemps déjà là. That the placement of this waymark. C'est que le placement de cette balise. Whether it's in the framework of the second angel or rain. Que ce soit sous le schéma donc du deuxième ange ou de la pluie. Comes to be 9/11. Devient donc le 11 septembre. Now, it's not my purpose to explain the logic behind that. I'm just giving you the answer. Ce n'est pas mon but d'expliquer la logique qui a derrière cela. Mon but, c'est de vous donner la réponse là. We'll have to go into various spirit of prophecy quotes. Il vous faut donc aller dans plusieurs passages de l'esprit de prophétie. We'll have to go to Revelation 7, Ezekiel 37. Il vous faut aller donc dans Apocalypse 7 et Ézéchiel 37. Make applications there. Faire donc des applications. In order to demonstrate the truthfulness of this angel coming down here at 9/11. Pour démontrer la véracité de cet ange là d'Apocalypse 18 1 à 3 qui descend au 11 septembre. Now, you recall when I did this board work here. Et rappelez-vous lorsque j'ai fait ce schéma hier. I explained it in a slightly different way.
Et je l'ai expliqué d'une façon légèrement différente. And this was Revelation 14. And this was Revelation 18. Donc l'histoire des millérites représentait Apocalypse 14 et la nôtre Apocalypse 18. Second angel. Il s'agissait là du deuxième ange. Millerite history, our history. L'histoire des millérites puis la nôtre. But what I want us to see. Mais ce que j'aimerais que nous voyons. Is that when this angel came down. C'est lorsque cet ange là il descend. It remained here on earth. Le deuxième ange il reste sur terre. Until the end. Jusqu'à la fin. It doesn't come and go and then come and down a second time. It's been here all the time. Il ne descend pas, puis remonte au ciel, et après redescend et remonte au ciel. Il reste sur terre jusqu'à la fin. When it's identified in 14, ce qui est identifié dans Apocalypse 14, if this is a picture of the earth, donc si cela est une image de la terre, the angel is here, flying in the midst of heaven. L'ange est là qui vole au milieu du ciel. But when you get to 18, mais lorsque nous arrivons à Apocalypse 18, this angel, cet ange là, has come down to earth. Il est descendu sur terre. And he lightens the earth with his glory. Et il éclaire la terre de sa gloire. You see the same characteristics. Vous voyez les mêmes caractéristiques. When dealing with the first angel, lorsque l'on parle du premier ange, when you go to Revelation 14, lorsque vous arrivez dans Apocalypse 14, and then you go to Revelation 10, puis que vous allez dans Apocalypse 10, flying in the midst of heaven, then it comes to earth. Il vole au milieu du ciel et après il descend sur terre. So I want us to see that the second angel has never left. Once it arrives. Et je veux vous montrer que le deuxième ange, il ne repart pas quand il arrive. So we want to read some spirit prophecy quotes. On va lire maintenant des citations that deal with this subject. Qui traitent de ce sujet. It's not in your notes. Okay. So this one's taken from the Great Controversy. Donc la première est tirée de la Grande Controverse. It's one of the chapters that I asked you to read, chapter 21. C'est le chapitre que je vous ai demandé de lire, le chapitre 21. And it's page 389. GC 389, paragraph 2. C'est Grande Controverse, 389, paragraphe 2 en anglais. En français, c'est 420.1. Tragédie des siècles, 420.1. Page 421, 420.1. So, it's not a long paragraph if you read that paragraph. Okay, donc je lis directement de l'anglais. Second angel's message, yeah. Yeah. Okay. Je vais lire directement de l'anglais, il y aura peut-être quelques mots. We're going to read it in French, and then we're going to go back and I'm going to highlight portions. So that those who are listening in English will pick up the same point. Donc je vais lire en anglais, en France, de l'anglais, et après on va souligner donc des parties, hein, d'accord. Donc le message du deuxième ange d'Apocalypse 14 a été premièrement prêché à l'été de 1844. As we're reading, et alors que nous lisons, please remember this board work that we have here. Et rappelez-vous donc le schéma qu'on a là. And you're going to see that she's confirming what's here on the board. Et vous allez voir qu'elle confirme ce qui est sur le tableau. So listen carefully. Donc écoutez attentivement. Et ensuite, il a eu une application plus directe aux églises des États-Unis, où l'avertissement du jugement a été plus largement proclamé et plus généralement rejeté, et où le déclin dans les églises a été les plus rapides. Mais le message du second ange n'a pas atteint son accomplissement complet en 1844. Les églises, alors, ont expérimenté une chute morale. Et en conséquence de leur refus de la lumière du message de l'avant, mais cette chute n'a pas été totale. Alors qu'elles ont continué à rejeter les vérités spéciales pour cette époque, elles sont tombées de plus en plus bas. Pourtant, cependant, on ne peut pas encore dire que Babylone est tombée, parce qu'elle a fait boire toutes les nations du vin, de la colère de sa fornication. Elle n'a pas encore fait que toutes les nations accomplissent cela. L'esprit du monde se
se conformant et l'indifférence dans l'esprit du monde, se conformant dans l'indifférence pour tester ses vérités pour notre temps, existe et a gagné du terrain dans les églises de la foi protestante et dans tous les pays de la chrétienté. Et ces églises sont incluses dans l'avertissement, dans la dénonciation terrible et solennelle du second ange. Mais l'œuvre de l'apostasie n'a pas encore atteint son point culminant. Now what I want us to remember as we're thinking about this passage, mais ce que j'aimerais que nous nous souvenions lorsque nous réfléchissons à ce passage, is the concept of first the church, then the world. C'est le principe disant premièrement l'église puis le monde. So you have to hold on to various concepts at the same time donc, and bring them all together. Donc en même temps, il vous faut garder plusieurs concepts en même temps et les assembler. So we're going to bring the concept of first the church, then the world. Donc on va prendre le concept là maintenant, premièrement l'église, puis le monde. And then we're thinking about an Alpha and Omega. Et on va réfléchir à un commencement et à un début Alpha et Omega. And also the idea of progression. Et aussi l'idée donc de la progression. So we're holding on to three different concepts all at the same time. Donc en même temps, on regarde trois concepts différents. And when you do that, et lorsque vous faites cela, you'll see that this... The picture work that we have here is in agreement with the spirit of prophecy. Et vous allez voir que le schéma que nous avons au tableau est en accord avec l'esprit de prophétie. If you let go of one of those, si vous laissez l'un d'eux, then the statement itself, donc la déclaration en elle-même, becomes confusing and you don't know how to use that passage to understand what's going on. Devient confus et à ce moment-là, vous ne saurez pas comment utiliser ce passage pour savoir ce qui s'y passe. Because remember what we need to do. Parce que rappelez-vous, ce dont nous avons besoin. Is not just to think at this scale here, from the Millerites to our history. Ce n'est pas de penser uniquement à cette échelle, les Millerites et notre histoire. What we're going to see. Ce que nous allons voir. Is that these passages can also be applied at this Millerite scale and therefore at our scale. Que ces passages que nous avons lus peuvent être appliqués à la fois à l'échelle des Millerites mais également à la nôtre. So if you don't hold on to these ideas and are able to keep them all in your mind at the same time, you won't be able to apply these passages in the way that we do. Et si vous ne gardez pas à l'esprit cette idée et vous ne serez pas en mesure d'appliquer ces passages de la façon dont nous le faisons. So we're going to apply this passage in its original context. Donc nous allons appliquer ces textes dans leur contexte d'origine. You've got to hold on to certain aspects, Alpha and Omega, progression, first the church, then the world. Il vous faut donc garder à l'esprit certains concepts, Alpha et Omega, premièrement l'Église, puis le monde, et la progression. So once you can do that, et une fois que vous faites cela, and see this in its original context, which is this history here, et que vous voyez cela dans son contexte d'origine, qui est cette histoire-là, then you can see how it would be applied in the Millerite line and then in our line. Vous pourrez être en mesure de voir comment ces passages sont appliqués dans l'histoire des Millerites et ensuite dans la nôtre. She's going to tell us that the second angel's message was first preached in the summer of 44. Elle va nous dire premièrement que le second ange a été prêché en été de l'année 1844. You'll see that we've got the spring of 44. Et vous voyez que nous avons également le printemps, P-R-I-N-T. But she doesn't mention the spring, she mentions the summer. Elle est E-T-E, mais elle ne mentionne pas le printemps, elle mentionne l'été. She's very careful with her language. Elle est très prudente avec son langage. She picks up the phrase that it's first preached. On va prendre la phrase où elle dit ça a été premièrement prêché. And we understand the difference between an arrival. Nous comprenons la différence entre une arrivée. And a preaching or an empowerment. Et ou une prêche, la prédication ou une amplification. So what she's doing there, ce qu'elle est en train de faire là, is talking about the empowerment of the second, not its arrival. Elle est en train de parler de son amplification là du deuxième, mais non pas de son arrivée. Just so that we remember. Juste pour que nous puissions nous souvenir. When we read from early writings 277, lorsque nous avons lu premiers écrits 277, which was the loud cry chapter, qui est le chapitre donc du grand cri, she compared two histories. Elle est en train de comparer deux histoires. The history of the second angel and the history of the third angel. L'histoire du premier ange et celle du troisième.
And she said puis elle dit that a message was going to join the third angel. Qu'un message va rejoindre le troisième ange. In the same way, de la même façon, that the midnight cry que le cri de minuit joined the second angel. A rejoint donc le deuxième ange. If you remember that, est-ce que vous vous souvenez de cela? This midnight cry, ce message, ce cri de minuit, is in the summer. Est arrivé en été. And this is what she's referring to here. Et c'est ce dont elle fait référence là. It's the cry. C'est le cri of the second angel. Du deuxième ange. Or what we would say. Ou ce que nous dirions nous. It's empowerment. Son amplification. When this work was done in the Millerite history in 1844. Donc quand cette œuvre a été faite dans l'histoire des Millerites en 1844. This message that Babylon had fallen had a direct application to the Protestant churches of the United States. Ce message, la chute de Babylone, a une application directe pour les églises protestantes des États-Unis. Pick up the word church. On garde le mot là, église. United States. On garde États-Unis. This is local. It's a local fulfillment. Là, il s'agit d'un accomplissement local. And we read from GC 368, paragraph 1. Grande controverse, 638. We read that yesterday. 338, pardon. On l'a lu hier. C'est la page TS 398.1 en français. I'm not gonna read it. On ne le lira pas. That the message of the first angel was first given in the United States by Miller, and then missionaries took it to the world. Le message du premier ange a d'abord été donné à Miller aux États-Unis, puis après les missionnaires l'ont emmené dans les îles lointaines. So we're talking first the church, then the world. Donc on parle là de premièrement l'Église, puis le monde. So I used that passage from the Great Controversy. Donc j'ai utilisé ce texte de la grande controverse. Even though it was dealing with the first angel. Même si ça parle du premier ange. To show us the principle. Pour vous montrer le principe. First the church, then the world. L'église puis le monde. M. Church world. Église monde. Now we're in the passage that we're reading here. Maintenant dans le passage que nous lisons about the second angel. Deuxième ange. She says when the angel first came. Quand l'ange est venu pour la première fois. In Millerite history. Dans l'histoire des Millerites. It had a more direct application to the churches in America. Il avait une application plus directe aux églises des États-Unis. Then she says, the message of the second angel didn't reach its complete fulfillment. Ensuite, elle poursuit disant que le message du deuxième ange n'a pas atteint son accomplissement complet. That means it didn't end. Ça veut dire que ça n'a pas fini. In 1844. En 1844. So if it doesn't end in 1844, it's going to end sometime afterwards. Ça veut dire que s'il n'a pas fini en 1844, ça veut dire qu'après qu'il va finir quelque part. And that's après. This progression. Et donc c'est ça cette progression. It started here and it didn't end. Il a commencé là mais il n'a pas fini. In that history, dans cette histoire, the churches fell. Les églises ont échoué. But the fall was not complete. Sont tombées mais la chute n'était pas totale. So we're marking a fall at the alpha, but it's not finished until you get to the omega. Donc à l'alpha, nous marquons une chute, mais elle n'est pas finie parce qu'elle va se finir à l'oméga. There are various ministries in Adventism. Il y a plusieurs ministères dans l'adventisme. Because they're not happy with the church. Parce qu'elles ne sont pas contentes avec l'Église. And they believe in conspiracy theories. Et parce qu'elles croient donc dans les théories de conspiration. They teach. Elles enseignent. Two things. Deux choses. Firstly, that the Catholic Church has infiltrated our church. Premièrement, que l'Église catholique a infiltré notre Église. And they call that a Jesuit infiltration. Et elles appellent cela une infiltration jésuite. And based upon that.
Et basé sur cela, they say that our church, elles disent que notre église, what you might call the conference structure, ce que vous appelleriez donc la conférence, has la now become Babylon. Que la fédération là est devenue Babylone. Hopefully, none of us in this room believe any of those things. Et bien sûr, personne dans cette pièce croit en ce genre de choses. Because we take our understanding from Scripture. Parce que nous tirons notre compréhension à partir des Écritures. And you can't find anywhere in Scripture. Et nulle part dans les Écritures nous pouvons trouver. Where our enemies. Que nos ennemis. And if you go to the Scriptures, there's only two enemies. Et si vous allez à travers les Écritures, vous en trouverez que deux ennemis. There's Babylon. C'est Babylone. And Rome. Et Rome. And in neither of those histories do they send secret agents into the church. Et dans aucune de ces deux histoires, ils ont envoyé des agents secrets à l'intérieur de l'église. Upon the testimony of two, a thing is established. C'est sur le témoignage de deux qu'une chose est établie. So we don't have secret agents in our church destroying us. Nous n'avons aucun agent secret dans notre église qui nous détruit. We're capable of doing apostasy all by ourselves. Nous sommes en mesure d'être apostat que par nous-mêmes. And you can identify nowhere in the scriptures. Et nulle part dans les Écritures, vous pouvez identifier that God's people ever became Babylon. Que le peuple de Dieu est devenu Babylone. They fall into captivity. Ils ont été en captivité. They copy Babylon. Ils ont copié Babylone. But they never become part of Babylon. Mais non, ils ne sont jamais devenus une partie de Babylone. So listen to what she says. Donc écoutez ce qu'elle dit. The churches experienced a fall in 44. Les églises ont expérimenté la chute en 1844. Those churches she's referring to are the Protestant churches, not the Millerite movement. Les églises dont elle fait référence là, c'est les églises protestantes, non pas Millerite. Next sentence. La phrase qui suit. As they, the Protestant churches. Alors qu'elles, les églises protestantes, have continued to reject the special truths for this time. Ont continué de rejeter les vérités spéciales pour ce temps. They have fallen lower and lower. Elles sont tombées de plus en plus bas. Who's she talking about? De qui parle-t-elle? It's the Protestant churches that fell here. Ce sont les églises protestantes là qui sont tombées là. She says they fall lower and lower. Elle dit qu'elles sont tombées de plus en plus bas. This is not Adventism. Là, il ne s'agit pas de l'adventisme. This is apostate Protestantism. Il s'agit du protestantisme apostat. And it says that they've rejected the special truths for this time. Et elle dit qu'elles ont rejeté la vérité spéciale pour cette époque. What are the special truths for this time? Quelle est donc la vérité spéciale pour cette époque? Pas? J'entends pas. First angel. Okay, it's the first and third angels' messages. C'est le message des premiers et troisième anges. Of course, it has to be the second as well. Ça doit être également le deuxième. Because the second angel's message. Car le message du deuxième ange. Is that second angel is very strange. Ce deuxième ange est assez particulier. It takes on different roles. Il prend plusieurs rôles. It can have a positive and negative role. Il peut avoir un rôle positif, mais à la fois négatif. Fear God. Craignez Dieu. Give him glory. Donnez-lui gloire. So it can represent glory. Il peut représenter la gloire. John 16. Jean 16. Sin, righteousness. Péché, justice. It can have a symbol of righteousness. Il peut avoir attaché en lui un symbole de justice. Of course, we already know about Babylon. Bien sûr, nous savons déjà sur Babylone. Which is a negative. Là, c'est négatif. And if you remember the story of Fatima. Et si vous vous souvenez de l'histoire de Fatima. Sister Tess taught us. Dont Tess nous a parlé. When the children in Portugal were given their three messages. Lorsque les enfants du Portugal ont reçu leurs trois messages. First one was fear. Le premier était basé sur la peur. The third was judgment. Le troisième c'était le jugement. What was the second? Le deuxième c'était quoi? Russia. C'était la Russie. So you see the second angel. Vous voyez là le deuxième ange. Isn't so straightforward to understand. N'est pas aussi clair à comprendre.
This movement, ce mouvement, God's people, le peuple de Dieu, need to understand the work of the second angel, and we don't. Doit comprendre l'œuvre du deuxième ange et nous ne le comprenons pas. Another symbol of the second angel is the 2520. Un autre symbole du deuxième ange est les 2520. And we really haven't understood that too well. Et nous n'avons pas très bien compris cela. I want us to think about the 2520. J'aimerais qu'on parle des 2520. Or the second angel. Ou du deuxième ange. As a key. Comme une clé. Now, what a key is used for? Une clé est utile pour faire quoi? To unlock things. Pour déverrouiller les choses. So the 2520, the second angel, is going to be used by God to unlock information. Donc le deuxième ange va être utilisé par Dieu pour déverrouiller des informations. It's not easy to pin down what the second angel is. Ce n'est pas facile de dépeindre ce qu'est le deuxième ange. Because it's multifaceted. Parce qu'il a plusieurs facettes. We're going to use the second angel. Nous allons utiliser donc le deuxième ange. In our movement. Dans notre mouvement. To do a lot of things for us. Pour faire beaucoup de choses pour nous. Now, when it comes to the 2520. Lorsque on parle des 2520. We're beginning to understand what that symbol means to God's people at the end of the world. On commence à comprendre ce que ce symbole signifie pour le peuple de Dieu à la fin du monde. But that's a study for another time. Mais là, c'est une histoire pour un autre temps. Coming back to the passage. On retourne au passage. She says, these churches are falling lower and lower, not Adventism. Elle nous dit que ces églises sont tombées de plus en plus bas, non pas l'église adventiste. But not yet. Mais pas encore. In the life of Ellen White. Dans la vie d'Ellen White, can it be said that Babylon has fallen? Il est possible de dire que Babylone est tombée. And made all nations drink. Et a fait boire toutes les nations. The United States had drunk. Les États-Unis sont ivres. But even they haven't fallen so low. Mais malgré tout, là, ils ne sont pas encore tombés aussi bas. But not all the world had then. Et non plus le monde entier. Then is this history here, the Millerites. Et là, alors là, c'est l'histoire des Millerites. But there comes a time when all nations have drunk. Mais il arrive un temps où toutes les nations seront ivres. She quotes from Revelation 18. Elle cite Apocalypse 18. She says, not yet. Elle dit, mais pas encore. Has she, alors qu'elle, papacy, la papauté, made all nations do this. Elle a fait que toutes les nations fassent cela. She says, these churches, elle dit ces églises, not Adventism, elle dit pas l'adventisme, are included in the solemn and terrible denunciation of the second angel. Sont inclus dans une dénonciation terrible et solennelle du deuxième ange. But the work of apostasy has not yet reached its culmination. Mais l'œuvre de l'apostasie n'a pas encore atteint son point culminant. You could read exactly the same information from the book Early Writings, but we're not going to. Vous pouvez lire les mêmes informations dans le livre Premiers Écrits, mais on ne va pas le faire. Next paragraph. Le paragraphe qui suit. 389, paragraph 3. Donc le paragraphe 3. La Bible déclare qu'avant la venue du Seigneur. Ah oui, ah pardon, la page, donc c'est la page 420, paragraphe 2 en français. Tragédie des sept, 420, paragraphe 2 en français. So in this paragraph, we're not going to read it, we're just going to comment. Donc dans ce paragraphe, nous ne le lirons pas, nous ferons juste un commentaire. She's going to quote from 2 Thessalonians chapter 2. Elle va citer 2 Thessaloniciens 2. And you'll note she quotes from verses 9 to 11. Et là, vous voyez qu'elle cite les versets 9 à 11. We understand that that is not a coincidence. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas là d'une coïncidence. She says that the Bible says before Christ returns, Satan will do a work. Et elle nous dit que avant que Christ ne revienne, Satan va faire une œuvre. A work of deception and lies. Une œuvre de déception et de mensonge. That will bring strong delusion. Qui va amener une forte illusion. Then she says this, commenting on that passage. Et elle dit cela si on commente le passage. From here. Ce n'est pas avant que cette condition ne soit atteinte et que l'union de l'Église avec le monde soit complètement accomplie dans toute la chrétienté, que la chute de Babylone sera totale. Le changement est un changement progressif.
Et l'accomplissement parfait de Apocalypse 14, 8 est encore futur. So you see, she uses the word progressive. Donc vous voyez là, elle utilise le mot progressif. Which is what we already discussed. C'est ce que nous avons déjà discuté. Second angel never left. It's always been giving this cry. Le second ange n'est pas parti. Il a toujours donné son cri. Now you've seen that I've put Revelation 14 and Revelation 18 here. Vous avez vu que j'ai mis Apocalypse 14 et 18 là. Hopefully this doesn't confuse anyone. J'espère que cela ne rend confus personne. I want to say this. J'aimerais vous dire cela. Revelation 14. Apocalypse 14. Is Revelation 18. Et Apocalypse 18. So we'll read the last part of the verse. From here. Ok, et l'accomplissement parfait d'Apocalypse 14, 8 est pourtant futur. So you'll see that she says est alors futur, on va dire. Vous voyez ce qu'elle dit là? That the fulfillment of Revelation 18, verse 4 que l'accomplissement d'Apocalypse 14, 8 has not happened. N'est pas encore, ne s'est pas encore réalisé. She uses the word perfect fulfillment. Et là, elle utilise le mot accomplissement parfait. Now, Ellen White uses this word perfect quite often. Ellen White là utilise le mot parfait assez souvent. What I want us to understand by that word perfect means complete. Et là, le mot parfait, ça veut dire total, complet. So she says the complete, c'est total. She says the complete fulfillment is future. Elle dit que l'accomplissement total, c'est futur. If you can understand that, si vous pouvez comprendre cela, I want to read us a Bible verse. Donc là, je vais vous lire un verset biblique. Not related to this subject, but it helps us to see something. Non pas en lien avec ce sujet, mais ça nous permet de comprendre quelque chose. Daniel chapter 8. Là, on va dans Daniel au chapitre 8. Verse 19. Le verset 19. So I'm not sure how this is translated in the French, so we might have to paraphrase it direct from the English. Donc je ne sais pas comment cela donc est traduit en français. On va peut-être traduire en le paraphraser. So I want the last end. Yes, the last end. Okay, so we're going to read 8:19 in the French. Donc on va lire Daniel 8:19 en français. Et il dit voici. Et il dit, voici, je te ferai savoir ce qui arrivera à la toute dernière fin de l'indignation, car il y aura une fin au temps assigné. So the point we want to pick up is when it says the last end of the indignation. Le point que nous voulons relever là, c'est la toute dernière fin de l'indignation. Now that's a very strange phrase to use, the last end. Et là, c'est une phrase assez étrange à utiliser, la dernière fin, la toute dernière fin. Because you either say the beginning or the end. Parce que on dit soit le commencement ou la fin. You don't say the last end. On ne dit pas la dernière fin. It doesn't make sense in the English. En anglais, ça n'a pas de sens. So the Bible is trying to teach us something. Donc la Bible veut nous enseigner quelque chose. The simple thing I want us to see is it's teaching us there are two ends. Elle veut nous enseigner qu'il y a donc deux fins. So if you have the last end, you'd have the first end. Parce que si vous avez la dernière fin, ça veut dire qu'il doit y avoir la première fin. The alpha end and the omega end. Donc la fin première et la fin dernière, la dernière fin. La première fin et la dernière fin. Coming to our passage from Great Controversy. Allons dans notre texte de la grande controverse. She says the perfect fulfillment. Elle nous dit l'accomplissement parfait. I'm saying that means complete fulfillment. Et là, moi, je dis total. So if you have a complete fulfillment which is in the future. Donc si vous avez un accomplissement complet, total, qui est dans le futur. What do you have today? Qu'avez-vous aujourd'hui? You have a partial fulfillment. Nous avons un accomplissement partiel. Good, you can see that. Bon, c'est bien, vous pouvez le voir. So let's take that concept. Donc prenons ce concept. And you see that it's on the board. Et vous allez le voir au tableau. Here we are, Millerite history. Nous voici là dans l'histoire des Millerites. First the church, then the world. Premièrement l'église, puis le monde. That's a fulfillment. Ça, c'est l'accomplissement. The word fulfilled means
Come to the end. Le mot accompli, ça veut dire arriver à sa fin. The work of the second angel has come to its end in the Millerite history. Donc l'ange, l'œuvre du deuxième ange est arrivée à sa fin dans l'histoire des Millerites. It was fulfilled. Il a été donc accompli. First the church, then the world. Premièrement l'Église, puis le monde. But that was only a partial fulfillment. Mais c'était uniquement un accomplissement partiel. The complete or perfect fulfillment will be in the future. L'accomplissement parfait, ça serait donc dans le futur. That's this scale here. C'est cette échelle-là. It was begun to be fulfilled. Il commence à être accompli. And it's going to be perfectly fulfilled here at the end of the world. Et il sera parfaitement accompli là à la fin du monde. So again, this passage. De nouveau là, ce passage. What we're doing is we're taking spirit prophecy quotes. Ce que nous prenons donc les citations de l'esprit de prophétie. We're not manipulating or twisting them. Nous ne les manipulons pas, nous les détournons pas. We're taking them as read. Nous les prenons telles qu'elles sont lues. And making application of histories that we're all ready familiar with. Et nous faisons des applications avec les histoires dont nous sommes déjà familiers. And we only have one goal. Et nous n'avons qu'un seul but. To understand our own history. Comprendre notre propre histoire. So it's based upon these small statements in the spirit of prophecy we begin to understand our own history. C'est basé sur cette petite déclaration d'esprit de prophétie qui nous permet de comprendre notre histoire. Without looking at these passages carefully, sans regarder à cette histoire attentivement, you can't build a model about what's happening at the end of the world. On ne peut pas construire le modèle sur ce qui va se passer à la fin du monde. And if you're not comfortable with doing this, et si vous n'êtes pas à l'aise à faire cela, when you come to studies, lorsque vous arrivez dans des études, such as the midnight cry message that Sister Tess is giving, comme le message du cri de minuit que que Tess est en train de nous donner, you will struggle to accept those things. Vous allez lutter pour accepter ces choses. Because you don't have spirit of prophecy quotes or Bible verses. Parce que vous n'avez pas des citations de l'esprit de prophétie ou de versets bibliques. All she is doing is handling history. Parce que tout ce qu'elle est en train de faire, Tess, c'est en train de gérer l'histoire. Secular history. L'histoire séculière. And hopefully it hasn't escaped your attention. Et j'espère que ça n'a pas échappé à votre attention. That many of the things that we're dealing with here, over the last 2 years particularly. Et la majorité des sujets que nous traitons depuis les deux dernières années de façon particulière is all dealing with Grecian history. Parle tous de l'histoire de la Grèce. That has been our main focal point for the last 2 years. Et ça a été notre point d'attention premier depuis les deux dernières années. So you have to go to these secular stories. Donc il nous faut aller dans l'histoire séculière. And then seeing those stories, events that tie in to the prophetic models that we've built. Et il nous faut voir ces histoires du passé se relier avec l'histoire dans laquelle nous sommes. But all that is predicated upon the understanding that you accept this methodology. Et tout cela est basé sur votre compréhension, votre acceptation de cette méthodologie. And I think many of us are not familiar with these methods, so when we listen to these secular stories, we're not sure if they're right or not. Et je pense que la majorité d'entre nous ne sont pas familiers avec cette méthodologie. C'est pour ça que lorsque nous entendons des histoires basées sur les faits séculiers, nous ne savons pas si c'est vrai ou pas. You remember yesterday? Vous vous souvenez d'hier? I spoke about raphia. J'ai parlé donc de raphia. And panium. Et de panium. And then you recall that I said. Et vous vous souvenez que j'ai dit. We have four battles. Nous avons quatre batailles. And if we can tie in these battles with these two. Et si nous pouvons relier ces quatre batailles avec les deux, raphia panium. So we move this. And if we could do this. Et si nous pouvons faire cela. And we can lock these two histories together. Et que nous pouvons verrouiller ensemble ces deux histoires. We can begin to understand what these battles would mean to us. Ça nous permettra de comprendre ce que ces deux premières batailles comme veulent dire pour nous. Signifie. Because we're here today. Parce qu'aujourd'hui nous sommes là, LA. Là ici.
ICE, it's better, ICE. Ok, nous sommes ici. Oh, ICE, bon. So we're here today. Donc nous sommes ici là aujourd'hui. And I'm just doing this in a generic term. Et je fais cela d'un terme général. Because if we're headed to Raphia, parce que si nous avançons vers Raphia, we want to know how we get there. Nous voulons savoir comment on atteint Raphia. The stories of Raphia and Panium don't give us that information. Et l'histoire de Raphia et de Panium ne nous donne pas ce genre d'information. This is why we need to pay attention to the studies that we're having this week. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut avoir toute notre attention sur les études que nous faisons cette semaine. Which is why I counseled you yesterday not to get lost in the detail, but to remain focused. Et c'est pour ça hier que je vous ai dit de ne pas être perdu dans tous les détails, mais de rester concentré. But what, of course, we didn't do is even discuss how we get Raphia and Panium. Mais également, ce que nous n'avons pas fait, c'est comment on trouve Raphia et Panium. Because if you're not settled into this, you'll never be settled into this. Parce que si vous n'êtes pas affermi sur Raphia Panium, vous ne pourrez pas être affermi sur le reste. And you know that Sister Tess. Et vous savez que Tess has labored this point. Continue. Stressed it. A étendu ce point. That she's put the number 273 here. Qu'elle a mis là le nombre 273 entre Panium et la loi du dimanche. And that is predicated on the fact. Et là, c'est prémédité par rapport au fait. That you understand about priests, Levites, and Nethinims. C'est prédit sur le fait que vous compreniez les notions de prêtres, lévites et nétiniens. The subject of priests, Levites, and Nethinims. Parce que ce sujet de prêtres, lévites et nétiniens. Has to be built upon. The structure of the second angel doit être basé sur la structure du deuxième ange. So, when I use the word advanced, I don't mean complicated. Quand j'utilise le mot avancé, je n'ai pas à l'esprit le mot compliqué. But these are advanced studies. Mais ce sont des études avancées. That have been built upon a foundation that has been laid a number of years ago. Qui ont été basés sur des fondements qui ont été posés depuis plusieurs années. So you have two choices. Vous avez deux choix. You either take our words for it. Soit vous prenez notre parole. That these structures have been built correctly. Que ces structures ont été bâties correctement. Or you need to go back and catch up really quickly. Où il vous faut retourner en arrière et vous mettre à jour, mais très rapidement. So this is like a crash course of some of the reasoning behind how we built up these models. Là, c'est comme si c'est une course, parce que là, on est en train d'essayer de rattraper une personne qui base toute son étude sur ce qu'on avait déjà fondé depuis deux ans. So we've read from GC 389, paragraph 3. Alors, on lit quoi? We just read that. Ah ouais, on a vient de lire 389, paragraphe 3 en anglais, la grande controverse. Picked up the word progressive. Donc, on a pris le mot progressif, 420.2 en français. The concept of partial fulfillment and complete fulfillment. On a relevé le terme accomplissement parfait et progressif. Now, you've heard me. Pardon, accomplissement parfait et partiel. Pardon. You've heard me say that Revelation 14 is Revelation 18. Vous m'avez entendu dire qu'Apocalypse 14 égale Apocalypse 18. All that Revelation 18 is saying. Tout ce que Apocalypse 18 dit. It's taking the history of 14. C'est qu'il prend l'histoire de 14. And it says this is what Revelation 14 looks like at the end. Et il dit, voici ce à quoi ressemble Apocalypse 14 à la fin. So hopefully that makes sense. J'espère que cela a du sens pour vous. Now, we're not going to go and read this. On va pas lire cela. But if you were to go to Leroy Froom's work. Mais si vous allez lire l'œuvre de Léon Froome. Or Gerhard Damsting's book. Ou le livre de Damsting. Both of these historians would tell you. Ces deux histoires vous diront that when you go to the Millerite history, que lorsque vous allez dans l'histoire des Millerites, and the second angel's message arrives in April, et que le deuxième ange est arrivé donc en avril, and then first gets preached in the summer, et a été premièrement prêché donc en été, these Millerites don't just say
Those people over there have fallen into Babylon. Les Millérites n'ont pas dit, hein, ces personnes qui se trouvent là-bas, elles sont tombées dans Babylone. Because their brethren are in that same place. Parce qu'il y avait leurs frères dans ce même endroit. And what did they tell them to do? Et qu'est-ce qu'ils leur ont dit de faire? What did the Millerites tell their brethren to do who are in those churches? Et qu'est-ce que les Millérites ont dit à leurs frères de faire, ceux qui se trouvaient dans ces églises? We all know. Vous le savez. They say what? Qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Come out. Come out of her, my people. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. What Bible passage is that? Quel est donc ce passage biblique? Revelation 18. I thought Revelation 18 was here. Mais je pensais qu'Apocalypse 18 c'était dans notre génération. Now you put Revelation 18 here. Maintenant vous le placez dans l'histoire des Millérites. Can you see that? Est-ce que vous le voyez? So this is what I'm saying. C'est ce que je suis en train de dire. About partial fulfillment and complete fulfillment. Sur un accomplissement partiel et un accomplissement total. So Revelation 18 and Revelation 14 is the same story. Donc Apocalypse 14 et 18 c'est la même histoire. If you took a picture. Si vous prenez une image. Of Revelation 14 verse 8. Apocalypse 14 8. At a certain point. À un certain point, it would look like what? Ça va ressembler à quoi? Look like Revelation 18. Ça va ressembler à Apocalypse 18. So here you are in the spring. Donc vous voilà là au printemps. Second angel. Le deuxième ange. As you walk through history. Et alors que vous cheminez dans cette histoire. 3 months. 3 mois. When you get to the summer. Quand vous arrivez à l'été. And you took an audio recording, et que vous prenez donc un recorder, or a picture of the second angel, un enregistreur. What would it sound like? What would it look like? Ça ressemble à quoi? Look like Revelation 18. Ça ressemble à Apocalypse 18. Come out of her. Sortez du milieu d'elle. And we know that 50,000 people left. Et nous savons que 50,000 personnes sont parties. So. I don't want to make this complicated. Je veux pas rendre les choses compliquées. But I want us to see that even though this is 14 and 18. Parce que je veux que vous voyez même si c'est 14 et 18. Hopefully you're comfortable with that now. J'espère que vous êtes confortable avec cela maintenant. But here, mais ici aussi, this is 14. Voici 14 and 18. Et 18. 14 and 18, 14 and 18. 14 et 18, 14 et 18. So 18 is a snapshot. Donc 18 c'est un aperçu. So once you see that. Lorsque vous voyez cela. And we see that 14 is a progressive history. Qu'on voit que 14, Apocalypse 14 c'est l'histoire progressive. It allows us. Cela nous permet. To understand our own history. De comprendre notre propre histoire. 390 paragraph 2. Alors on est 390 paragraphe 2. En français c'est 421 paragraphe 2. Revelation 18. So read up to there. When those accomplished its work. When those were when those work là. No, from beginning to there. Okay. On va lire la première partie du paragraphe. Apocalypse 18 dirige vers l'époque quand, en tant que comme la conséquence du rejet du triple avertissement d'Apocalypse 14, 6, 12, l'Église aura atteint complètement la condition prédite par le second ange et le peuple de Dieu encore dans Babylone sera appelé à se séparer de sa communion. Ce message est le dernier qui sera jamais donné au monde et il accomplira son œuvre. It's worth it. Yeah. Okay. So it says that Revelation 18. Il nous est dit qu'Apocalypse 18 points to a future time. Alors dirige vers un temps futur. When those who rejected the three angels' messages. Quand ceux qui ont rejeté le message des trois anges will have reached this condition.
vont atteindre donc cette condition. And the condition that they've reached, et la condition qu'ils vont atteindre, was foretold by the second angel. A été prédit par le second ange. And then, et ensuite, once they've reached that condition, quand ils ont atteint cette condition, then there'll be a call to come out of Babylon. Là, il y aura un appel de sortir de Babylone. This message is the last that will ever be given to the world. Et ce message sera le dernier jamais donné au monde. It will accomplish its work. Il va accomplir son œuvre. So again, that's confirming. De nouveau, cela confirme. That 14 and 18 are the same. Que 14 et 18 sont le même. And 18 is just pointing to the last work. Et Apocalypse 18 montre la dernière œuvre. Hopefully, that's becoming clearer. Et j'espère que cela devient de plus en plus clair. If you're familiar with these concepts, si vous êtes familier avec ce concept, you'll know that Revelation 14, vous voyez the first angel, Apocalypse 14, le premier ange, is the same as Revelation 10, the first angel. Apocalypse 14, le premier ange, est pareil que Apocalypse 10. The arrival. Il y a l'arrivée. And the empowerment. Puis l'amplification. This is 14. Ça, c'est 14. And this is 10. Et ça, c'est 10. That's chapters. C'est ce chapitre. Ce sont des chapitres. We're using the same principle here when we come to the second angel. Avec, quand on parle du deuxième ange, on utilise le même principe. They're both teaching the same thing. Les deux, là, ils enseignent la même chose. Repeat and enlarge. Répétition, élargissement. All Revelation 10 is doing, tout ce que fait Apocalypse 10, it's showing you a snapshot of what the first angel looks like in that history. Apocalypse 10 nous donne donc un aperçu de ce que le premier ange fait dans cette histoire. And that's what we're reading about Revelation 18. Et c'est ce que nous avons lu au sujet d'Apocalypse 18. So if you were going to do that, si vous faut faire cela, then this, alors là, would be Revelation 14 and this would be Revelation 18. Donc ça sera Apocalypse 14 et l'autre Apocalypse 18. So if you wanted to be careful about it, si vous voulez être prudent à ce sujet, you would say that 9/11, vous allez dire que le 11 septembre, was Revelation 14 here at the end of the world. Est Apocalypse 14 jusqu'à la fin du monde. But what we do, ce que nous faisons, is we mix things, nous mélangeons les choses, and we're talking about this history as a single entity. Et nous parlons de cette histoire comme une entité unique. I'll do it like this. Je vais le faire de la sorte. Turn that history into a singular point. Pardon, tout. Turn this history into a singular point. Tournez cette histoire en un point unique. This is the message of Revelation 18 at the very end. C'est le message d'Apocalypse 18 à la fin même. When the second angel, quand le deuxième ange, is going to be perfectly fulfilled or come to its complete fulfillment. Va être accompli parfaitement ou arriver à son accomplissement parfait, total. But that happens progressively. Mais cela se passe de façon progressive. You can see the progressive work from the Alpha to the Omega. Et vous voyez l'œuvre progressive de l'Alpha à l'Oméga. And we've already discussed, et nous avons déjà discuté, based upon these spirit prophecy quotes, basé sur ces citations de l'esprit de prophétie, that 18, que 18 talks about the completion, nous parle donc de l'accomplissement, and 14 talks about the initiation or the beginning. On parle de 18 nous parle de du commencement de l'initiation. So it would be the same in our history here. 14 nous parle de l'initiation ou de du commencement. Merci. So it would be the same in our history. C'est la même chose dans notre histoire. So this would be 14 and this would be 18. Donc dans notre histoire 9/11 c'est 14 et LD 18. But the reason we call it 18, mais la raison pour laquelle nous l'appelons 18, is because what we're identifying here, c'est que ce que nous identifions dans cette période là, this history, cette histoire du 11 septembre à la loi du dimanche, is this. C'est ça. 18, just like I've done here. Nous montrons le 18, Apocalypse 18, c'est ce que je viens de faire là. This is the beginning of the work of 18 and this is the end of the work of 18. C'est le commencement de l'œuvre d'Apocalypse 18 et là c'est la fin.
If we wanted to be technical, si vous voulez être plus technique, we'll do 14 and 18, on va faire 14 et 18. Because we did 14 and 18. Parce que nous avons fait aussi là dans les millirites 14 et 18. And we did 14 and 18. Et nous l'avons fait sur une grande échelle 14 et 18. For the testimony of two, a thing is established. Sur une témoignage, sur le témoignage de deux, une chose est établie 11 septembre. So I want us to understand. Donc j'aimerais que vous compreniez what we mean. Ce que nous voulons dire. We say the angel of Revelation 18 came down at 9/11. Quand on dit que l'ange d'Apocalypse 18 est descendu le 11 septembre. We're talking about the beginning of a work. Nous sommes en train de parler d'un commencement d'une œuvre. That's going to be accomplished here. Qui va être accompli là à la LD. Now, if that makes sense, and hopefully it does. Si cela a du sens et j'espère que cela l'est. We have another level of complexity to build on top of this. Nous avons un autre niveau de complexité à ajouter à cela. We can go to various Bible stories. Nous pouvons aller dans plusieurs histoires bibliques. And we do this. Et nous ferons cela. First the church, then the world. Premièrement l'église, puis le monde. And then we notice. Ensuite nous allons the church que l'église is in two phases. Est en deux phases. And the way we structure all of this, et la façon dont nous structurons tout cela, we call this the priests, Levites, and Nethinim. Nous appelons les prêtres, les Lévites et les Nethiniens. You can see this story. Nous pouvons voir ces histoires. In the story of Noah. Dans l'histoire de Noé. Genesis chapter 6, 7, and 8. Genèse 6, 7 et 8. Where you see Noah. Où vous voyez Noé. Preaching to various people. Qui prêche à différentes personnes. One group. À un groupe. Then, puis, you see two groups of animals get on. Vous voyez deux groupes d'animaux qui arrivent. So I'm arguing. Donc je suis en train de dire. That the first group he's preaching to is the priests. Le premier groupe à qui il prêche Noé sont des prêtres. And then, once he turns his attention away from them. Et lorsqu'il détourne son attention d'eux. He focuses upon the clean animals. Il va se concentrer sur les animaux purs. And the unclean animals. Et ensuite les animaux impurs. So you've got people. Vous avez des gens. Clean animals and unclean animals. Three groups. Des animaux purs et des animaux impurs. Vous avez trois groupes. So that was from Genesis. Là, c'est à partir de la Genèse. Go to the story of Hezekiah. Vous pouvez aller dans l'histoire d'Ézéchias. Hopefully we all know who Hezekiah is. J'espère que nous savons tous qui est Ézéchias. He's the king who had a wound on his leg and he was going to die and he prayed and God saved him. C'est un roi qui avait une blessure et il a prié et le Seigneur l'a guéri. Before that story, avant cette histoire, when he first became king, lorsqu'il est devenu premièrement roi, he repaired the temple. Il a réparé le temple. And the people who did that repair work, et les personnes qui ces réparateurs, were the priests and the Levites. C'était donc les prêtres et les Lévites. And that story is taken from 2 Chronicles chapter 29. Et cette histoire est tirée de 2 Chroniques 29. 2 Chronicles 29. 2 Chroniques 29. And you find it specifically in verses 16 and 17. Et vous le trouvez particulièrement dans les versets 16 et 17. So you see the two groups. Vous voyez donc là les deux groupes. And then you can identify the third group. Et ensuite vous pouvez identifier le troisième groupe. In chapter 30. Dans le chapitre 30. Because they're going to have a Passover. Parce que là ils auront une Pâque. And they're going to call their brethren, the 10 tribes, et vont appeler donc leurs frères, les 12 tribus, who are a symbol of these, les 10 tribus, who are a symbol here of the world, qui sont donc un symbole là de la fin du monde, to come to this Passover, pour participer à cette Pâque. So you have the priests, vous avez les prêtres, the Levites, les Lévites, and the 10 tribes, et les 10 tribus, three groups, trois groupes. So you see this concept of three groups in different ways. Donc vous voyez ce concept de trois groupes de différentes façons. Jésus had two groups of disciples, the 12 and the 70. A eu deux groupes de disciples, les 12 et les 70. The priests and the Levites. Les prêtres et les Lévites. And they will be preaching to other people. Et ils ont été prêchés à d'autres personnes. The Samaritans as an example. Les Samaritains en tant qu'exemple. The 12 disciples. Les 12 disciples. Focused upon the church. Se sont focalisés donc sur l'église. But you see that the 70. Alors que vous voyez que les 70. They were commissioned to go to the Samaritans to prepare them. Ont été envoyés vers les Samaritains afin de les préparer. So you can see three groups there. Vous voyez donc, vous pouvez voir déjà
déjà trois groupes là. So we have enough stories to know. Nous avons suffisamment d'histoires pour savoir. That there are three groups. Qu'il y a trois groupes. See the same story in Ezra chapter 7 and chapter 8. Et nous avons la même histoire dans Ezra 7 et 8. So hopefully we're all comfortable with these three groups. Donc j'espère que nous sommes à l'aise avec ces trois groupes. So what we would have to do. Ce qu'il nous faut faire maintenant. Just at this simple level here. Jusqu'à ce, à ce niveau simple là. Where we've just got 14 and 18. Où on a 14 et 18. And we just call it Revelation 18. Mais on l'appelle simplement Apocalypse 18. Working progressively. Qui agissent de façon progressive. At the end of the world from 9/11 to the Sunday law. À la fin du monde du 11 septembre à la loi du dimanche. What we then have to factor in. Ce qu'il nous faut maintenant voir fabriquer. Is how does that impact these three groups? C'est de quelle façon cela impacte ces trois groupes. Who are symbols? Qui sont donc des symboles. People at the end of the world. Du peuple de Dieu à la fin du monde. And once we do that, et dès que nous faisons cela, then this becomes much more complex. Cela va devenir de beaucoup beaucoup plus compliqué. So the next presentation, et c'est dans notre présentation we're going to begin to address that. Nous allons commencer à adresser cela, à aborder ce fait. So let me summarize. Laissez-moi vous résumer. Our task, our work, notre devoir, notre œuvre, is really about understanding the second angel. Consiste vraiment à comprendre le deuxième ange. I want to be clear. Je veux être clair. The message for God's people to give to the world is the third angel's message. Le message que le peuple de Dieu doit donner au monde, c'est le message du troisième ange. But the reason we focus upon the second angel. Mais la raison pour laquelle nous nous focalisons sur le deuxième ange. Is because the second angel is what? C'est parce que le deuxième ange, qu'est-ce que c'est? It's a key. C'est la clé. It's a key to unlock prophecy. C'est la clé pour déverrouiller la prophétie. And if you were to read, si vous fallait lire, Early Writings 2:7-7. Premiers écrits 2:7-7. Ellen White tells you that. Ellen White nous le dit. She says the second angel here. Elle nous dit là le deuxième ange. Comes at the right time. Arrive au bon moment. To give power, pour donner de la puissance, or force, ou bien de la force, to the third angel, au troisième ange. And as it's doing that, et alors qu'il accomplit cela, then another voice comes, une autre voix arrive, to add its power, pour ajouter sa puissance, to the third angel, au troisième ange, which we call the loud cry, que nous appelons le grand cri, the loud cry of the third angel, le grand cri du troisième ange, is created, et créé, initiated, initié, by the work of these two groups of angels. Par l'œuvre de ces deux groupes d'anges. So without this key, donc nous avons sans cette clé, the third angel's message doesn't do anything. Le troisième ange ne fait rien. But the second angel, le deuxième ange, has many more facets, a beaucoup plus de facettes, than just Revelation 14 and 18. Que juste Apocalypse 14 et 18. The story of Russia. C'est l'histoire de la Russie. You'll also find that it's the story. Vous allez aussi découvrir qu'il s'agit de l'histoire. Of Islam. De l'islam. It's the story of the 2520. C'est l'histoire des 2520. It's the story of a fall of a people. C'est l'histoire de la chute d'un peuple. It's the story of an uplifting of a people. Mais c'est aussi l'histoire d'un peuple qui est élevé. Those who glorify God. Le peuple qui va glorifier Dieu. So that's why we focus so much on the second angel. C'est la raison pour laquelle nous nous focalisons tant sur le deuxième ange. Without its input, the third angel doesn't do anything. Sans son sa contribution, le troisième ange ne peut rien faire. So I've tried to show us. J'essayais de vous montrer how the second angel and rain, comment le second ange et la pluie, can be used, peuvent être utilisés, when you can understand this structure, lorsque vous pouvez comprendre cette structure, to give you two testimonies to understand end time prophecy. Pour vous donner deux témoignages pour comprendre les prophéties de fin de temps. We've spoken about partial and complete fulfillment. Nous avons parlé de l'accomplissement partiel et total. Second angel's message was fulfilled in the Millerite history. Le deuxième ange a été accompli dans l'histoire des Millerites. For them.
pour eux. It was the fulfillment. Ça a été l'accomplissement. But at this scale, it was not. Mais à cette échelle-là, ce n'est pas le cas. It's only partial. Ce n'est que partiel. The complete fulfillment will be here at the end of the world. Parce que l'accomplissement total, ça sera là dans à la fin du monde. A singular event. Un événement unique. But that singular event. Mais cet événement unique. Is a period of time. C'est une période de temps. In that period of time. Et dans cette période de temps. We're going to have this Alpha and Omega. Nous aurons également l'alpha et l'oméga. Revelation 14 and 18. Nous aurons également Apocalypse 14 et 18. We're marking this here as 9/11. Et nous le marquons ici comme étant le 11 septembre. The only reason we don't say this is 14 and 18. La raison pour laquelle nous ne disons pas qu'il s'agit d'Apocalypse 14 et 18. Because we want to keep in the forefront of our minds that this is the story of the end of the world, Revelation 18. Mais parce que nous voulons garder vraiment à l'esprit qu'il s'agit de l'histoire de la fin du monde d'Apocalypse 18. If you don't understand this progressive nature, et si vous ne comprenez pas cette nature progressive, you won't understand, vous ne serez pas en mesure de comprendre how Revelation 18 can be in two separate places. Comment la raison pour laquelle l'Apocalypse 18 peut être trouvée à deux endroits différents. So I'm hoping that's a little clearer now. Donc j'espère que c'est un peu plus clair maintenant. Revelation 18 was fulfilled in the Millerite history. Apocalypse 18 a été accompli dans l'histoire des Millerites. You all agree with that. Et vous êtes tous en accord avec cela. We all know that it's occurring here at the end of the world. Nous le savons tous que cela va se produire à la fin du monde. Specifically. Et de façon particulière. And the Sunday law. À la loi du dimanche. Ellen White tells us in these two passages. Ellen White nous le dit dans ces deux textes, Tragédie des siècles et premiers écrits. But that work began beforehand. Mais cette œuvre commence bien avant. Why? Pourquoi? Because. Parce que. First the church. Premièrement l'Église, then the world. Puis le monde. This was a message of warning to our church. C'est un message d'avertissement pour notre Église. For us to get our house in order. Afin que nous puissions mettre notre maison en ordre. The preparation for the Sunday law. La préparation pour affronter la loi du dimanche. And then at the Sunday law. Mais à la loi du dimanche. The message is continue to be given. Le message sera continué à être donné. But the target audience. Mais le public is someone else. Et autre, c'est quelqu'un d'autre. It's the Nephilims, ce sont les Néthiniens, or what we would call the world. Ou ce que nous appelons le monde. So, I'm hoping that we're all reasonably comfortable now. Et j'espère que nous sommes maintenant à l'aise. With the reasoning or the methods behind how we're going to use the work of the second angel to unlock end time prophecy. Donc la raison et la façon dont nous utilisons l'œuvre du deuxième ange pour déverrouiller les prophéties de fin de temps. What we want to do, ce que nous aimerions faire, is to take this line, c'est de prendre donc cette ligne, make some refinements to it, y apporter la raffiner. Begin to explain the story of the priests, Levites, and Nethinims. Pour commencer à expliquer l'histoire des prêtres, des Lévites et des Néthiniens. Let's pray. Prions. Heavenly Father. Père céleste. We ask and pray for a blessing. Nous te demandons et prions pour une bénédiction. That you would guide, direct, and help us. Que tu vas nous diriger et nous guider. To have a clearer, to have a clearer understanding. Pour obtenir une compréhension claire. Of the work of the second angel. De l'œuvre du deuxième ange. And his interaction with the third. Et son interaction avec le troisième. Please continue to guide and direct us. Continue de nous guider, de nous diriger. We ask and pray in the name of Jesus. Nous te demandons et prions dans Amen. Le nom de Jésus. Amen.